Moi, je connais la petite montagne qu'on appelle la citadelle, est l'espace que souvent, des fois, il y en a diffé et il y en a érosion. Et depuis des années, pas super capable économiquement pour faire en sorte que la petite montagne, la citadelle, là, vienne un endroit qui est agréable. Alors, il y a 10 ans de cela, 10 ans de cela, un premier projet financé par le UNDP GIF. Pour capable, comment nous sommes capables de diminuer l'incendie et diminuer l'érosion. L'eau, ça m'a une pente de la citadelle. Là. Il y a 11 hectares autour de la citadelle aujourd'hui. L'idée, c'est de dire, j'ai planté, mais j'ai planté ma plante endémique, ma plante qui vient de Maurice. C'est ma plante qui est capable de tenir le plus la terre et qui est capable d'éviter ma problème avec l'incendie. À partir de là, depuis 10 ans maintenant, nous pouvons planter. Il y a beaucoup de secteurs privés, le gouvernement, les différents ministères, les Nations Unies. Ils travaillent ensemble pour qu'ils soient capables de planter, arrivent à une couverture végétale importante autour de la citadelle. Aujourd'hui, nous connaissons comment bien planter, nous connaissons qui bien planter, nous connaissons comment bien planter et nous connaissons comment bien maintenir pour que notre plante reste. Nous avons à peu près 80-90% de réussite aujourd'hui. Plusieurs milliers de plantes infinies mettées. Donc, pour donner une idée, première année, je mets 2000 plantes. Et les numéros de 2000 plantes, tous les 2000, soit manjimounine coquin, soit manjimounine brûlée. Ben, avec l'aide de tous mes camarades, citoyens, secteur privé, qui est ma grande tonne aujourd'hui, que mon ministère, nous réussissons à continuer ce travail-là. Nous croyons dedans, la fondation, ce travail, c'est ça, nous faire la reforestation. Et aujourd'hui, nous sommes capables de montrer un résultat qui est valable. Effectivement, nous avons beaucoup de conviction, nous avons beaucoup de persévérance et nous avons à la fois. Probablement. On est ici avec une équipe de Grand Hôtel. On est ici aujourd'hui pour aider à la reforestation de la citadelle avec l'équipe de Forina. L'initiative est une prend parce que nous besoin aide la citadelle pour replanter. Alors nous pouvons mettre aujourd'hui 200 plantes en sol. Comme nous pouvons travailler en collaboration avec Forina, ben, nous pouvons aider financièrement pour prendre 20 plantes là. Pour mettre en sol. Au fait, vu qu'ils nous connaissent, que le climat peut changer à travers le monde, qu'ils nous l'ont aujourd'hui pour planter dans le pied, pour qu'ils nous bannent jeunes de demain, connaissent que ça, la forêt de Maurice, qui surtout qui disparaît, surtout ici, à pour lui, avec le climat, qui a beaucoup incendié dans la montagne, nous là pour replanter dans le pied là, pour qu'il pour lui arrive une verre, comme tu étais avant. En retour, moi, je me pense bien qu'ils ne peuvent pas prendre le pied, c'est pour l'environnement, il est bon. Il amène la pluie, l'oxygène, l'air là, il peut plus pire pour les jeunes de demain. Et surtout, devant parce que tu es la pluie, ça nous a évité de mettre ça, couper, faire une construction, etc.